comptables m'ont fermé leurs portes. Je me suis tournée vers les contrebandiers de Port Neptune pour m'approvisionner. Les hommes de Fontaine sont des porcs. Ils crachent et empestent à des kilomètres, mais ils livrent à leur dite et ne posent pas de questions. Ils tombent tous devant Fontaine. Ils me rappellent ce docteur nazi qui était tellement efficace. Je ne serais pas surprise qu'ils prennent bientôt les choses en main. Des émeutes. Il est grand temps de remettre de l'ordre et de réprimer la contrebande. Le moindre contact avec la surface expose Rapture aux parasites que nous voulons fuir. Quelques coups étranglés sont un faible prix à payer pour défendre nos idéaux. My face relieved. Oh, precious be that face. The hour. On t'a bien eu, sale monstre! Elle est à moi! Patouche! Restez-là! Je vous interdis de partir! Je...
débris. Se resserre sur toute la bande. Je pourrais me féliciter, mais ils sont loin d'être des desperados assoiffés de sang.
Rapture abrite beaucoup de poètes, d'artistes et de joueurs de tennis. Pas de mercenaires. Mais leur chef, ce Fontaine, il semble très doué pour la magouille. Il se mouille juste assez pour bien faire comprendre à certaines personnes qu'il ne plaisante pas. Cher Diane, j'en suis navré, mais je serai encore en retard ce soir. Rosenberg veut que nous parlions encore du cas de Fontaine. J'essaie de mettre en place un marché financier décent et ce crétin ne parle que d'Adam et de manipulation génétique. Je vais faire semblant de prêter attention à ce pauvre diable pendant une heure et je rentre au plus vite. André. Quel est le prix du péché? Et on doit défendre ce qui est à nous.